Bon, tu vois, je suis sur mon calage. Je voulais te parler un peu de la fixation en seuil, parce que c'est un peu particulier. C'est interdit en tout point de visser et chevilliller dans le seuil les lames de terrasse, parce que ça te crée une entrée d'eau dans ta maçonnerie. Donc si jamais tu fais ça, tu prends toute la décennale maçonnerie, juste parce que tu es intervenu là. Donc ici, j'ai calé avec mes cales de 3 mm. Hop, je viens mettre mes espacements de 5 mm ici. Là, je me mets aussi 5 mm par rapport au seuil. Et après, je viens essayer avec ma cale ici. Il faut que ça force un tout petit peu. Donc là, on est pas mal avec ça. Donc 3 mm. Et après, du coup, hop, je viens mettre ici de la P790. C'est du polyuréthane, colle polyuréthane. Je vais en mettre une bousée. Coller ma cale dessus. Et là, point d'attention à avoir. La cale, tu vois, je la mets en biais pour permettre un écoulement de l'eau. Si jamais il y a de l'eau qui arrive là, qu'elle puisse s'écouler. Hop, je remets une petite bousée par-dessus. Alors, un tout petit peu en partie haute. Et comme le seuil est en pente, j'en mets une bonne bousée sur la partie la plus basse, puisqu'ici, il y aura plus à rattraper. Et donc ensuite, il va falloir que je mette mes cales de 3000 ici, ma cale de 5 ici, et que je sois bien en bout. Hop, voilà. Et là, je relâche. Ici, on a la cale. Et ici, on glisse la cale de 3000. Donc là j'ai 2 et 1, donc ça fait 3. Hop, donc je fais en sorte que tu vois quand je la mets, elle ne dépasse ni là ni là. Et on est bon. Et ici en bout, pareil, je viens la glisser. Clac. Une fois que je suis là, un petit coup de serre-lame. Là on est bon, on est aligné. Et après, prépercage, vissage. Pour prépercer, j'ai un fourret comme ça avec un fraisoir et une butée qui fait arrêt. Et puis après, bah, visseuse classique, quoi. Vis inox. Ici c'est de la 2. J'aurai une autre terrasse plus tard à faire en bord de mer, donc tout vinox. Tout vis inox à 4, je te montrerai ça après. Et donc tu vois, le but c'est que ce soit à ras comme ça et aligné. Et donc mes coupes, j'ai des coupes en gros à un quart de la longueur, à la moitié et aux trois quarts. Un quart, deux quarts, trois quarts si tu peux faire. Donc tu vois, ça fait aligné, propre. Voilà, voilà. Bon, je te passe le vissage parce que je pourrais pas te filmer. Allez, à plus.